dans la roue de Gianpaolo Caruso en tête de peloton. Hein. C'est la tête du peloton. Voilà Philippe Gilbert. Gilbert est assez loin quand même. Ouais. Nibali dans sa roue. Hein. Voilà Carlos Betancourt à gauche. Nibali qui l'a laissé passer. Michael Chérel, ça. Oui. Oui, alors là, pour tenir comme ça jusqu'au sommet. C'est mission impossible. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est de. C'est travailler pour Betancourt. D'inciter les autres à réagir, de les mettre dans le rouge et puis de favoriser les dessins de Carlos Betancourt. Quel beau jaillissement sera soit le travail obligatoire est fait par l'équipe Katusha. Alejandro Valverde ici en deuxième position, Bauke Mollema avec Roman Kreuziger aussi. On a bien sûr Dani Moreno, Katowski en embuscade. Tom Yelslachter pour l'équipe Garmin, le coureur néerlandais qui est là. Les principaux favoris sont là, Betancourt est là, Philippe Gilbert un peu loin. Il n'a pas l'air super Gilbert. Un petit peu loin, Yael Van Endert pas bien placé, Cyril Gauthier vient de la cassure est faite. Michael Chérel rejoint, on va travailler pour Dani Moreno. Van Endert est là, à droite de la route. Alejandro Valverde plein cadre, attention à Bauke Mollema, Katowski en embuscade. Slachter sur la droite. Accélération de Valverde, Bauke Mollema. Allez, Valverde a l'air quand même pas mal. Hein. Bauke Mollema pour emmener pour l'équipe Belkin, le néerlandais. C'est le petit Colombien de l'équipe Trek qui est là en troisième position. Bon, ils sont facilement reconnaissables. C'est Julian Arredondo qui était là. Regardez, il n'y a plus qu'un groupe de. Ils sont plus qu'une quinzaine maintenant pour la victoire finale. Philippe Gilbert, pas très bien placé du tout. Le coureur de l'équipe BMC. Il est pas au top là. Katowski qui est là. Arredondo qui est là. C'est Katowski qui emmène. Valverde à gauche de la route. Van Envert ou Valverde. Accélération de Van Envert. Valverde qui a changé de chaîne, qui a eu un petit moment de flottement. Katowski maintenant devant. Les 250 derniers mètres, accélération de Katowski, Valverde bien placé, ça surgit à droite de la route. Un coureur de l'équipe Garmin à droite de la route, ça doit être Dan Martin qui vient de dépasser son coéquipier Tom Yelslachter. Katowski ouais, le champion de Pologne, c'est Dan Martin je crois dans sa route. Oui. C'est Dan Martin qui est là, accélération de Valverde, Katowski, Valverde. Dan Martin, Valverde sans doute le plus fort, allez rentre-toi Valverde. Valverde qui a déjà gagné une fois ici la flèche, voilà, il connaît très bien le final. Alejandro Valverde, ouais, qui était le deuxième favori, et le coureur espagnol va remporter la Flèche Wallonne comme il l'avait fait en 2006. Nouvelle victoire en 2014 pour Alejandro Valverde, qui devance Dan Martin. Troisième, c'est Katowski. Quatrième, Bauke Mollema. Slachter, le néerlandais, est cinquième.